avec un nouveau concept aujourd'hui que j'avais pas encore l'occasion de faire et une intro aussi musicale ici que j'avais pas encore l'occasion de faire. Je ne sais pas si je le ferai à chaque fois ça l'intro, mais bon, remarquez cette amélioration notable. Et donc le nouveau concept, je vais le présenter puisque c'est la première fois que je le fais. Il s'agit donc de top 10 pour des lutteurs que je qualifierais de secondaires. Donc je vais pas attaquer Bret Hart, Shawn Michaels, Ric Flair, Misawa, pour lesquels on a toute une collection de grands matchs comme ça, et c'est assez facile de trouver des top 10 sur le net, ou au moins des combats à référence. Et c'est des lutteurs pour lesquels on parle quand même souvent. Ici, ce sera finalement Owen Hart en l'occurrence, on en parle relativement peu, et c'est plus difficile de trouver tout de suite des top 10. Essayez, si vous n'avez pas encore cliqué sur la box, pour voir les combats que j'ai proposés, essayez de voir si vous-même, si vous connaissez Owen Hart, si vous arrivez à trouver 10 combats vraiment de très très haute qualité comme ça facilement. Ben, c'est pas si évident que ça. Alors là aujourd'hui j'ai décidé de commencer avec Owen Hart parce qu'il y a quelques jours c'était les 13 ans de sa mort. Mort tragique comme vous savez, je vous laisse si vous n'êtes pas au courant faire vos recherches là-dessus. Je vois-t-il que pour les 13 ans de sa mort, quelqu'un sur le forum FN Nation a créé un topic sur Owen Hart, ce qui m'a fait penser donc à lui pour cette vidéo. J'avais d'autant plus envie de faire cette vidéo maintenant que dans ce topic, il était couvert d'éloges, et c'est pas que ça me dérange qu'il ait des éloges, puisque c'est un lutteur que j'aime beaucoup, Owen Hart, mais je trouve que c'est un peu exagéré d'un côté, parce que même s'il a beaucoup de qualités, dont je vais parler juste après, et qui ont été mentionnées dans ce topic en l'occurrence, je pense qu'il a certains défauts qu'on a tendance à un petit peu oublier, voilà. Et donc je vais les pointer du doigt dans cette chronique. Ce sera un peu comme ça que ça fonctionnera à chaque fois. C'est des top 10, mais top 10 et commentaires. C'est-à-dire que ça va me permettre aussi de faire un peu un résumé de la carrière du lutteur, enfin des traits principaux de ce qu'il a proposé dans le ring, ses qualités, ses défauts, ce genre de trucs. Voilà, éventuellement des analyses si j'en ai à faire. Là, j'en ai pas beaucoup pour Owen Hart. Je pense que c'est quand même un lutteur assez connu. Il n'y a pas forcément grand-chose à dire de plus. On peut commencer avant de détailler quand même, dire que Owen Hart a été un des lutteurs les plus appréciés en backstage de tous les temps. J'ai jamais entendu ne serait-ce que quelque chose d'un tout petit peu négatif sur Owen Hart en backstage. Apparemment c'était quelqu'un non seulement très pro, mais en plus extrêmement apprécié de tout le monde, même des gens qui n'aimaient pas forcément Bret Hart. Comme quoi, voilà. Alors donc du coup, je vais d'abord parler un petit peu de ses qualités, puisque apparemment tout le monde les connaît, mais j'aimerais les mettre en avant, au cas où, si vous ne les connaissez pas. Voilà, c'est un lutteur plutôt axé high fly, mais en fait ce qui était vraiment intéressant avec lui, c'est qu'il était très très complet. Il pouvait faire du high fly, il pouvait faire du technical wrestling, du chain wrestling, il pouvait avoir une dimension entertainment ou avoir une dimension plus un petit peu indie sur les bords, mais il n'y avait pas vraiment d'indie à l'époque, il n'a jamais vraiment lutté dans la fédération indie. Il avait aussi une très bonne qualité de bump, ça on a tendance à l'oublier, mais notamment dans tout ce qui s'agissait de claquer au sol comme ça sur les frappes de son adversaire et de se relever tout de suite. Il avait vraiment le bon timing pour aller claquer au sol au bon moment et se relever, tout ça. Donc ça, c'est quelque chose de très important à la WWE. Ils utilisent beaucoup ça pour créer le momentum du face. Donc si tu fais ça bien en tant que heel, et Owen Hart était heel la plupart de sa carrière, c'est un gros point fort. Et au-delà de ça, il avait une grosse propreté d'exécution, en plus d'une moveset assez personnelle, assez singulière. Il n'y a qu'à voir son Enzugiri, je pense qu'il était le seul à le porter de cette façon-là, et aussi bien que ça, je pense que c'est les Enzugiri les plus propres qu'on puisse trouver. Son side suplex, c'est un des rares à le faire, et c'était assez propre encore une fois. Et le must dans le genre, c'est son espèce de séquence de move pour sortir des clés de bras, où il se jette au sol, il fait une espèce de roulade et il se remet. Enfin, j'arrive même pas à vous le décrire mieux que ça, mais si vous avez déjà vu un combat de Owen Hart, vous l'avez forcément vu, cette séquence. Et vraiment, c'était super carré, super propre. Donc si on oublie le move où il a blessé Steve Austin à SummerSlam 97, il aurait mérité peut-être lui aussi, comme son frère Bret, le titre d'Excellence of Execution. Peut-être. Mais, donc ça, tout le monde est à peu près d'accord sur ses qualités. Bon, après, ça se traduit par un niveau de combat moyen assez élevé. Vraiment, c'est le genre de mec qui donne jamais une mauvaise performance, d'une manière générale. Mais, et ça se voit si on regarde mon top 10, je suppose que vous avez déjà cliqué sur la box pour aller voir ce que j'avais mis, il y a assez peu de très très grands combats. Et je pense que ça, on peut l'attribuer au fait que c'était quelqu'un d'assez peu, Owen Hart, assez peu passionné par la lutte d'une manière générale. Il est venu dans cette industrie pour accumuler de l'argent, pour pouvoir offrir une bonne situation à sa femme et ses enfants. Et d'ailleurs, il voulait arrêter la lutte assez jeune pour pouvoir devenir, il avait l'ambition de devenir pompier pour vivre avec sa femme et ses enfants, ce qui rend sa mort d'autant plus tragique d'ailleurs. Et en fait, le fait d'être assez peu passionné fait que je pense qu'il n'avait pas l'ambition, comme d'autres, de laisser une marque dans,
dans l'histoire de la lutte, comme ça, de laisser toute une légende avec des combats mythiques et tout ça, comme Shawn Michaels, Bret Hart, Ric Flair pouvaient avoir envie de le faire. Je cite ces exemples-là comme ça, hein, mais voilà, ça fait que ça, tout de suite, il va peut-être un peu moins chercher l'exceptionnel, et fait que, bon, il y aura souvent de très bons matchs, mais rarement d'excellents et de combats cultissimes, je pense. Et puis, autre défaut qui peut aller dans ce côté un peu limite chez Owen Hart, peut-être il n'a pas toujours, notamment dans sa première partie de carrière au Japon, il n'a pas toujours un très bon selling. Parfois, il se relève un peu vite de moves qui sont censés avoir un énorme impact, ou alors il ne vend pas très très bien la blessure au bras ou à la jambe, ce genre de truc. Notamment donc au Japon, ce qui a fait que ses combats au Japon étaient souvent très bons d'un point de vue technique et tout ça, et au niveau rythme, mais il plafonnait, la plupart plafonnait un peu à cause de ce manque de profondeur. Et Owen Hart en était responsable plusieurs fois. Donc c'est peut-être un peu les défauts qui font et qui expliquent le constat qu'on peut faire sur mon top 10 d'assez peu de combats finalement à 4 ou plus. En même temps, on peut aussi l'attribuer au fait qu'il a assez rarement été main eventer, donc automatiquement il a eu assez rarement des combats à 20 minutes ou plus en pay-per-view avec un gros teasing derrière, ce qui aide, il faut bien le dire, à avoir des grosses notes. Avant de passer au détail un peu des combats, je vais aller vite sur le détail des combats, j'ai juste un autre truc à dire, c'est une petite entre guillemets analyse qu'on pourrait faire. Finalement, la moveset d'Owen Hart et son style étaient plus axés high-fly et technique, ce qui convient quand même mieux d'une manière générale à des faces, puisqu'ils peuvent faire embarquer la foule par des moves donc très spectaculaires, des pirouettes et tout ça. Et la technique, c'est aussi un peu le standard David contre Goliath, c'est celui qui arrive à vaincre son adversaire par la ruse, donc par la technique, ce que Bret Hart utilisait beaucoup. Et ça aurait donc mieux fonctionné s'il avait été face, ou en tout cas il aurait peut-être pu utiliser encore plus cet aspect-là de sa moveset en tant que face. Or Owen Hart a été souvent heel et donc a plus eu recours à des frappes, c'est-à-dire des coups de poing, des coups de pied. Ce qui est, voilà, c'est un peu comme ça la vision de la WWE d'un heel qui est un peu plus brut en réalité. L'idée c'est de mettre en avant le côté technique du face ou le côté high fly du face qui prend des risques ou qui est plus malin pour s'en sortir dans le truc. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ils l'ont pas mis face dans ce cas-là? Parce qu'Owen Hart était beaucoup plus à l'aise, incontestablement, en heel au niveau de son attitude, de son micro, de son personnage, qu'il ne l'était en face. En fait, en face, j'ai presque envie de dire qu'il avait presque l'air d'un bonnet. Et ça, c'est jamais très bon. Voilà. Petite remarque comme ça en passant. Donc le top 10, vous l'avez sûrement sous les yeux, j'espère. On voit qu'il y a donc des combats à 3,5 dans un top 10 d'un lutteur censé être excellent. Bon, il faut dire que je note d'une manière générale un peu sévère par rapport à la majorité des gens qui notent. Mais vraiment, pour les combats... Alors, des 3,5, j'en avais énormément. J'en avais à peu près une dizaine, voire une quinzaine de plus que les deux qui figurent déjà dans le top. D'ailleurs, c'était très difficile pour moi de choisir le dixième. Autant le neuvième, je tenais à mettre le Owen Hart contre Kid, qui est vraiment exceptionnel d'un point de vue in-ring, mais qui a un finish vraiment minable. Mais après le dixième, j'ai beaucoup hésité avec notamment Owen contre Koshinaka de la New Japan, ou contre Keishi Yamada, qui sera le futur Jushin Liger, encore la New Japan en 87 celui-ci, ou encore le Owen Hart Razor Ramon du Raw du 9 janvier 95, que je recommande beaucoup, mais qui là encore est un peu pourri par un finish disqualification à la con, bref. Donc voilà, pour dire qu'il y avait beaucoup de candidats au top 10, mais finalement de matchs vraiment exceptionnels, il n'y en avait pas tant que ça. Parmi les combats exceptionnels, on peut compter tous ceux qui sont plus ou moins du premier au numéro 8, même s'il y en a qui ont 3 quarts, ça reste des combats qui ont souvent des très grosses qualités. Pour le Blue Angel Barry Horowitz, j'imagine que peu de gens connaissent ce combat et beaucoup doivent être surpris de trouver un combat avec Barry Horowitz dans un top 10 d'un lutteur comme Owen Hart. Et c'est vraiment un combat excellent, assez old school c'est vrai, mais je trouve que tout ce qui concerne la psychologie, le selling, la construction, le fait de choisir tel moment pour porter tel move et tout ça, c'est vraiment parfait. C'est un combat hyper propre. Très bon travail de Barry Horowitz en tant que heel là-dessus. Alors Owen Hart luttait sous la gimmick de Blue Angel. Je sais pas pourquoi exactement ils lui ont donné cette gimmick-là. Je suppose que c'est parce qu'il y avait Bret Hart, qui devait être heel d'ailleurs à la même époque, et ils voulaient pas qu'on sache que c'était des frères. Il a aussi lutté sous la gimmick de Blue Blazer, mais Blue Angel, Blue Blazer, ça revient à peu près au même. C'est l'année 88, lorsqu'il a dû devenir Owen Hart à la WWF en 90, je crois. Ou 89 peut-être.
Sinon, alors après, il y a des combats quand même connus contre le Bulldog à Ross, c'était pour le titre européen, pour dire le premier champion européen. Bon, je lui mets pas plus que 3-3 quarts pour les mêmes raisons que le Owen Hart Shawn Michaels de l'UFC 6, parce que c'est des combats qui sont certes très très propres, assez sympathiques à regarder comme ça techniquement, mais qui manquent un peu d'ambition comme ça avec des moments climatiques et tout. Un peu le même reproche que j'ai fait finalement au Daniel Bryan CM Punk de Over the Limit. Ça reste des très bons combats, mais finalement il leur manque le truc pour aller plus haut selon moi. Le Owen Hart Hiroshi Aze en revanche, de la New Japan de 88, est très peu connu. Ça fait partie des premiers combats d'une manière générale de Owen Hart au Japon. Et c'est un des combats à mon avis qui a donné beaucoup de popularité à Owen Hart. C'est un combat très très fort au niveau rythme et technique, avec l'opposition de style plus high flyer de Owen et un peu grappleur de Hiroshi Aze. Et j'ai beaucoup aimé ce combat, mais là encore le finish est un peu abrupt et ça casse un peu notre plaisir. Celui-ci aurait largement pu taper le 4 étoiles. Et puis on arrive dans le top 4 où là il y a vraiment des combats très connus et j'imagine que des gens doivent se dire t'as un peu sous-noté les combats Owen Hart Bret Hart, que ce soit le Cage Match ou le match de WrestleMania. Je sais que je les ai notés moins fort que la plupart des gens ne le feraient. Ceci dit, moi je suis pas trop un fan des Cage Match parce que je trouve que d'une manière générale ça tombe tout le temps dans le même cliché. Je te fais un big move, j'essaye de sortir, tu viens me chercher, tu me fais un big move, t'essayes de sortir, je viens te chercher, etc. Et finalement, on n'a pas vraiment de développement un peu plus un peu plus développé que ça, je suis désolé de faire cette répétition, mais voilà. On joue uniquement sur le côté suspense et au final, déjà en live, je pense que c'est un peu chiant parce qu'on se doute bien que le combat va pas durer un quart d'heure. Il va durer certainement plus, ce combat est assez long d'ailleurs. Et puis ensuite, quand on les revoit les combats et qu'on n'a plus que le suspense comme qualité, ça fait un peu pauvre quand on sait un peu comment ça se déroule. Donc ça reste certainement le meilleur steel cage match en 1 contre 1 avec le, que j'ai vu en tout cas en date, avec le Magnum T.A. Tully Blanchard, qui est d'ailleurs plus un quit match qu'un cage match d'ailleurs. En tag team, il y a eu un très bon cage match, je le dis là en passant, je sais pas pourquoi, entre Christian Edge et Hardy Boys en 2000, mais en solo, c'est probablement le meilleur celui-ci, parce qu'il donne vraiment l'impression d'essayer de sortir, et d'un point de vue technique, il est bien fait. Et les big moves sont vraiment des big moves, il y a vraiment des gros spots. Et il y a un truc que j'ai adoré dans ce combat, qu'ils n'ont pas utilisé malheureusement dans le combat de WrestleMania 10 ensemble, Owen et Bret, c'est le contre du sharpshooter. Owen porte le sharpshooter sur Bret Hart, et Bret Hart connaît une sortie de cette soumission. Ça, j'ai trouvé ça vachement bien, et c'est dommage qu'il n'ait pas utilisé dans le combat de WrestleMania, qui était beaucoup plus axé technique, et qui du coup aurait pu donner un moment comme ça un peu plus climatique. Ouais, donc c'est ce que je reproche d'ailleurs au match de WrestleMania, je vais l'attaquer tout de suite avant de parler des deux autres. C'est ce manque, un peu comme les combats contre Bulldog et contre HBK dont je parlais tout à l'heure, ce manque de capacité à aller chercher une grosse intensité dramatique ou quelque chose. Bon, ceci dit, il est tellement propre, et il y a ce jeu de psychologie, genre je te connais, donc je vais trouver le contre, etc., qui est notamment utilisé dans le finish. Et puis il y a la grosse surprise et le moment tellement historique de Owen qui bat Bret Hart clean à WrestleMania, alors qu'à l'époque, c'était plus ou moins un mid-quart d'heure et à peine, et Bret Hart, lui, c'était un gros main eventer, meilleur lutteur de la fédération au niveau crédibilité. Il allait devenir champion du monde d'ailleurs dans la même soirée. Ça amène quelque chose en plus, sans compter la rivalité derrière. Je pense que beaucoup de gens mettent une super note pour ces raisons-là, qui sont un peu des à côté et pas véritablement le combat en lui-même. Ça reste un très bon combat et je pense que beaucoup de gens mettraient ce combat-là numéro 1 d'une de leur top 10. Je devais le dire quand même. Mais donc moi j'ai choisi de mettre Owen Hart et Bret Hart contre les Steiners de janvier 94. Un combat que j'ai vu pour la deuxième fois seulement à l'occasion de ce top 10. Alors, il y a des combats que je voyais que pour la première fois, d'autres que je connaissais déjà bien, mais que je me suis refait pour l'occasion. Et ce combat contre les Steiners, la première fois que je l'avais vu, je l'avais trouvé très bon d'un point de vue technique, mais je trouvais que voilà, c'était un peu trop. On se neutralise, et puis finalement, on finish un peu à la con, count out. Ça finit en match nul, les deux équipes comptaient l'extérieur du ring. Et en fait, je sais pas pourquoi véritablement, mais je l'ai trouvé vraiment beaucoup mieux au deuxième visionnage. Alors Owen Hart est assez peu mis en avant dans ce combat, finalement Bret Hart est beaucoup plus souvent dans le ring que Owen. Le MVP est en Scott Steiner, qui est absolument hallucinant dans ce combat. Il porte des moves que c'est simple, que je n'ai jamais vu ailleurs depuis. Et vu la somme de combats que j'ai vu, il faut le faire. Le move en question, c'est, alors si quelqu'un connaît ce move là et qui peut me donner le nom, c'est en fait Scott qui met Owen dans une position de suplex, qui le jette moitié en l'air, qui le rattrape comme pour un pile driver. Enfin, c'est assez hallucinant à voir. Et c'est à mon avis un move que
ils auraient de toute façon plus le droit de faire aujourd'hui s'ils étaient encore là. Mais bon, c'est vraiment un très très bon combat, très fin dans sa construction, très technique comme ça, avec beaucoup de mat wrestling. Vraiment, on cherche à être le plus juste possible dans le selling, dans les réactions, on essaye d'être le plus aussi intense dans le côté, j'essaye vraiment de m'en sortir, etc. Et pas le côté, vas-y, mets-toi là, que je te fasse tel move, parce que ça va être sympa. Donc ça vraiment, ça fait une grosse plus-value. Et d'ailleurs, quand j'avais fait mes awards pour la saison 94 à la WWF, je l'avais même pas mis sur mon podium, ce combat-là. Or maintenant, je le mettrai numéro 2 derrière le ladder match de WrestleMania 10. Vous voyez un petit peu. Extraordinaire match à voir pour tous ceux qui ne l'ont pas vu. Il se passait dans un show qui s'appelle WrestleFest. C'était pas vraiment un show en fait, c'était. WrestleFest était une cassette, compilation de combats inédits. C'est-à-dire des combats que tu voyais le programme, tu disais j'ai trop envie de les voir. Mais ils n'avaient jamais été télévisés en fait, pour pouvoir vendre des cassettes. Donc ce combat qui n'avait pas été télévisé, il disait que c'est un combat très particulier par rapport à ce que la WWF faisait à l'époque. Je pense que c'était presque plus dans le style de WCW que WWF, qui plus est en 94. Et quelque chose de très étonnant dans ce combat au niveau du booking, c'est que les Steiners paraissent meilleurs en solo que Bret Hart sur les séquences où ils sont que tous les deux. D'une manière générale, je trouve qu'ils s'en sortent mieux que Bret Hart en solo. Or Bret Hart, comme je disais, c'était numéro 1, vraiment le lutteur le plus crédible, ex-champion du monde, King of the Ring en titre, etc. Et il les domine. Alors, vous allez me dire, bah, pourquoi pas. Mais les Steiners allaient quitter quelques jours plus tard. Le seul match qu'ils ont fait après ce combat-là, que je sache, c'est le Royal Rumble match. Sinon, ils ont dû faire des house shows, ok. Alors, je sais pas si la WWF n'était peut-être pas au courant au moment de ce combat-là que les Steiners n'allaient pas re-signer ou quoi. Ou peut-être que justement, ils voulaient se servir de ce booking avantageux pour les faire re-signer et leur dire, vous voyez comme on vous met en avant. Bah, toujours est-il qu'ils ont quitté la WWF extrêmement over, vu le combat que c'était. Vraiment un des meilleurs tag team matchs, si ce n'est d'ailleurs le meilleur tag team match que j'ai vu, et peut-être le meilleur combat par équipe des Steiners, et ça, là encore, c'est un bel argument pour dire que c'est un combat absolument à voir. Il reste un combat duquel j'ai pas parlé, Owen Jushinager, le meilleur combat de Owen au Japon, qui pêche juste par le manque de selling. J'en parlais, Owen au début de sa carrière n'était pas très très bon en selling, on le voit dans ce combat, mais qui est, on sent une volonté vraiment de faire quelque chose de construit, de faire quelque chose d'un peu plus fin et tout ça. Et c'est pas l'un des meilleurs combats de Jushinager, parce que Jushinager en a une sacrée collection lui aussi, mais véritablement un combat à mon avis à voir pour tous les fans de Owen Hart qui n'ont pas trop vu Owen au Japon. Ça peut justement être une bonne porte d'entrée vers le Pro Wrestling. Voilà, je vais pas détailler plus que ça parce que je pense que la vidéo fait déjà sa bonne longueur. Je ne sais pas pour quel lutteur je vais reproduire ce genre de chronique plus tard. Mais si vous avez un lutteur que vous voulez absolument voir comme ça, n'hésitez pas à me le dire. J'ai quelques petites idées. Par contre, je ne ferai pas les lutteurs pour lesquels leur carrière n'est pas terminée. Puisque j'aimerais bien que cet top 10 ait un peu une valeur, entre guillemets, de côté un peu définitif. Donc voilà, a priori, j'ai vu tous les matchs candidats pour Owen Hart, donc ce top 10 ne devrait pas bouger. Bon, peut-être un petit peu, les goûts évolueront certainement, mais voilà. Donc c'est pour ça, n'allez pas me proposer des lutteurs actuels qui ont encore leur carrière devant eux. Bon, ben voilà, je sais pas quelle vidéo arrivera sur ma chaîne prochainement, donc restez connectés, et puis à bientôt. Bye.